La question qu'on me pose très souvent, c'est Sébastien, combien on gagne dans une conciergerie d'appartements et plus particulièrement combien de chiffre d'affaires, combien on peut réellement gagner avec un appartement en conciergerie d'appartements sur Airbnb. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ça ensemble, bien évidemment. On va regarder un cas concret justement dans ma conciergerie puisque tu le sais. J'ai une conciergerie d'appartements. On a à peu près 80 appartements sur ma ville aujourd'hui. Et petit teaser avant de lancer, tu vas voir que parfois, au-delà de effectivement le type de logement et au-delà de la localisation de celui-ci, tu vas voir que parfois, il suffit tout simplement de faire certaines opérations, de mettre en place certaines choses, certains grands principes qui vont complètement changer la rentabilité de ton appartement. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tout simplement, tu découvres un bouton s'abonner, tu déroules, tu t'abonnes, tu actives la petite clochette et comme ça, tu reçois entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement d'investissement dans l'immobilier, d'investissement locatif. Je te parle aussi d'investissement en bourse puisque je me suis lancé un challenge. Mon challenge, c'est quoi C'est tout simplement que eh bien, les chiffres d'affaires, les cash flows que je génère grâce eh bien, à mes appartements. En location courte durée, c'est tout simplement eh bien, utiliser une partie de ce cash flow pour le mettre en bourse, pour le placer en bourse et pour tout simplement améliorer euh, donc mes rendements et tout simplement aller chercher des revenus passifs. Et donc je me suis lancé un challenge il y a maintenant un an de ça et je publie des vidéos par rapport à ça. Je publie aussi des vidéos sur la sous-location professionnelle immobilière et sur la conciergerie d'appartements. deux business que tu peux lancer dans ta ville, deux business que j'ai lancé qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. D'ailleurs, si toi aussi c'est quelque chose qui t'anime, que tu as envie de mettre en place dans ta ville, eh bien, sache que je t'ai préparé bah, d'une part deux formations totalement gratuites que tu découvres dans la partie description, qui vont te permettre de te former et de mettre en place ce type de business dans ta ville. Et également aussi, tu retrouveras eh bien, deux invitations pour participer à deux prochains webinaires que je vais réaliser justement, d'une un, part sur la sous-location professionnelle immobilière. Et la deuxième sur la conciergerie d'appartement. Je te laisse découvrir tout ça dans la partie description. Et ça te permettra à toi aussi de lancer deux business rentables dans ta ville en partant complètement de zéro, sans aide bancaire, sans apport, avec des résultats rapides en 30 jours. Aujourd'hui, justement, on va s'attarder beaucoup plus à la conciergerie d'appartement et notamment eh bien, à la rentabilité d'un appartement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une notion de rentabilité sur un appartement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a en face le temps que prend, eh bien, la gestion de cet appartement. Parce qu'à mon sens, quelque chose qui est complètement passif, qui te prend très peu de temps par mois, mais qui rapporte peu, c'est pas très grave en soi. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, puisque partir du moment où c'est passif, c'est-à-dire que ça ne mobilise pas ton temps, mais que ça gagne de l'argent, hein, donc euh, du coup, c'est dans le principe d'avoir un actif. Pour moi, c'est pas très grave. Alors, bien évidemment, c'est pour une de 10 euros, 50 euros. J'ai envie de te dire, ça vaut pas vraiment le coup. Autant peut-être essayer de voir autre chose. Mais à partir du moment où ça commence à rapporter quelques centaines d'euros et que ça te nécessite très peu de travail, et on va le voir justement dans cette vidéo, eh bien, à mon sens, c'est rentable. Bien évidemment, et je le disais en introduction, qu'en fonction des villes et en fonction du type d'appartement ou de villa ou de maison, la rentabilité sera complètement différente. Il est évident que dans certaines villes de France, notamment bah, des villes où il y a beaucoup de villas, beaucoup de maisons, voire même des châteaux, des demeures, il y a des conciergeries qui aujourd'hui s'éclatent là-dessus, puisqu'en fait, il ne suffit pas d'en avoir une dizaine, il suffit d'en avoir juste quelques-unes, propriétés comme celle-ci, et derrière, très clairement, c'est un cash-flow qui est juste extraordinaire. Hein, pour, je te le dis par expérience, puisque j'accompagne aussi des personnes dans le cas de mes formations. Qui sont bah, forcément dispatchés un petit peu partout en France et certains ont des résultats juste incroyables. Contrairement à d'autres, par exemple comme moi, qui a nécessité avoir beaucoup d'appartements pour d'ailleurs sortir un cash flow qui soit suffisamment intéressant. Tout simplement parce que je suis sur une ville de taille moyenne, moins de 150 000 habitants et derrière, eh bien on est sur, on va dire, un chiffre d'affaires qui est très flat. C'est pas une rentabilité de ouf, mais c'est un business qui fonctionne. Et justement, et on va le voir dans cette vidéo, il y a moyen d'optimiser ça, il y a moyen. Et moi, je suis assez euh, pour ce genre de choses. C'est-à-dire que pour moi, le business, on va le voir de deux manières. C'est soit, effectivement, on va y passer énormément d'énergie, euh, énormément de temps, mais par contre, derrière, on sait que ça va rapporter gros. Donc, euh, on est prêt à faire l'effort et il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de propriétés. Et au contraire, par exemple, dans ma ville, on a nécessité d'avoir quand même pas mal d'appartements pour en sortir quelque chose de lucratif. Mais l'idée, l'idée, c'est… Que ça nous prenne le moins de temps possible. Mais vraiment, quand j'ai le moins de temps possible, c'est réduire quasiment à zéro ou presque mon investissement à titre personnel. Alors moi aujourd'hui, euh, je suis effectivement très euh, éloigné de mon entreprise puisque je suis plus vraiment en mode supervision. Mais les, 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 on va dire les rôles ont été euh, jetés dès le départ. Hein. Je suis pas dans la production au quotidien puisque moi j'ai un directeur dans mon entreprise et justement j'ai conçu cette activité-là, j'ai conçu ce business-là avec cette vision-là et tout le monde le sait. Hein. Et d'ailleurs, je viens jamais dans l'entreprise ou très peu peut-être une fois dans le mois parce que c'est ma manière de travailler c'est comme ça de toute façon tout le monde est au courant de, de, de ce qu'allait se passer dans cette entreprise donc pour moi si tu veux c'est pas très grave en soi que ça ne génère pas tant que ça puisque euh, comment dirais je moi je suis plus en train de me dire bah ok ça génère un tout petit peu ça génère de l'argent mais derrière, je sais que derrière ça va ne mobiliser aucun temps ou vraiment quasiment rien mais c'est vrai aussi à l'inverse que dans certaines villes de France, ou si par exemple tu es, es sous-staffé, eh bien tu vas générer énormément de chiffres d'affaires et tu vas générer énormément de profits. Moi je me rappelle à l'époque quand j'avais lancé, ce que j'ai lancé donc, deux conciergeries d'appartements, la toute première je l'avais lancée à l'étranger, en Asie, j'y passais énormément de temps, énormément, mais par contre à bout d'un moment j'étais essoufflé, c'est-à-dire que j'avais plus à développer mon entreprise. Alors oui, ça générait beaucoup d'argent, c'est vrai, euh, c'était très lucratif, c'était très cool, mais j'y passais aussi tout mon temps. Donc finalement, tu vois, il y a vraiment un ratio à avoir, un rapport entre temps, et argent. Et à l'inverse, le repreneur, quand j'ai revendu cette conciergerie, lui a complètement vu la chose de manière complètement différente. Il s'est staffé, voire même surstaffé. Il a pris énormément de personnes pour encadrer l'activité. Alors certes, il a perdu rentabilité. Enfin, rentabilité. Il a baissé sa rentabilité. Il faut que je sois précis dans mes mots parce que sinon je sais que dans la partie commentaire, j'aurai pas mal de messages de, de par rapport à ça. En fait, il a baissé la rentabilité comme moi je baisse dans la mienne parce qu'en fait, ma vision et sa vision à lui, c'est on va plutôt bien s'organiser pour que tout soit nickel, que moi je puisse être libre de mon temps et au contraire... Ensuite, pouvoir faire ce qu'on appelle scaler son activité, c'est-à-dire qu'on sait que l'organisation qu'on a aujourd'hui nous permet d'aller chercher d'autres appartements par la suite et donc de développer notre entreprise. Donc moi, je suis vraiment dans ce, ce schéma-là par rapport à ma conciergerie. Et justement, maintenant, on va rentrer beaucoup plus dans le détail. On va regarder ensemble les chiffres et ce que j'ai mis clairement en place. Donc là, typiquement, c'est un export Airbnb. Alors, nous, aujourd'hui... Euh, comment on facture On facture encore un petit peu en mode euh, manuel, mais les choses sont en train de changer. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo sur cette chaîne YouTube où je t'explique comment automatiser la partie facturation. J'essaierai je de te mettre le petit lien au-dessus euh, de cette vidéo pour que tu puisses la récupérer. On va la mettre en place aussi nous ce mois-ci. Mais typiquement, ce qu'on fait, c'est que donc on fait un export donc Airbnb et de booking par rapport aux réservation. Globalement, c'est à peu près les mêmes champs. Donc après, il suffit juste de faire un petit une petite adaptation. Et on arrive ici. Donc, euh, pareil, j'en avais déjà parlé euh, frais de ménage, frais de linge, frais d'hôte. On a. Euh, pardon. Frais de ménage, frais de, frais de linge de maison. On a, Alors, cet appartement, on a éclaté, on a fait la différence. Je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, voilà, c'est aujourd'hui, en fonction des appartements, on a frais de ménage, frais de linge, ou parfois on a frais de gestion. Euh, et en fait, on ne met rien dans les frais de ménage. J'avais déjà expliqué pourquoi. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc du coup, on additionne les frais de ménage et les frais de linge, ce qui nous donne donc un total de 345 euros de frais de ménage qu'on collecte pour payer, eh bien, les prestations liées au ménage. Bien évidemment, on retire donc du montant qui a été versé au propriétaire, eh bien, on retire donc le chiffre d'affaires du frais de ménage et de, la, et de la maison pour donner le chiffre d'affaires euh, donc net, euh, ce qu'a réellement gagné le propriétaire sur cette réservation. Donc ce qui fait un total de 1190,26 euros. Donc on va découvrir l'appartement un petit peu après. Donc lui, c'est ce qu'il a réellement touché hors frais de ménage. Et c'est là-dessus, bien évidemment, qu'on va appliquer notre commission, plus les frais de ménage. Euh, donc le propriétaire, lui, a réellement touché dans sa poche 1190 euros. Il faudra qu'il déduise notre facture, euh, comment dirais-je, de, de la commission. Donc le total, il a touché 1190 plus 345. Hein, donc la totalité, lui, c'est ce qu'il a touché, donc 1535 euros. Mais nous, on va lui facturer donc, 345 euros de ménage, correspondant réellement à ce qui a été encaissé, et un pourcentage sur euh, eh bien, le chiffre d'affaires. Et je vais te faire voir ça juste après. Euh, ce que je voulais te faire voir ici, euh, oui, c'est l'appartement. Je voulais aussi te présenter l'appartement, que tu puisses voir un petit peu euh, ce que c'est comme type d'appartement. Voilà. Euh, donc on est juste ici. Donc voilà l'appartement en question. Euh, donc voilà, on facture 76 euros la nuit. Euh, voilà, bon, un appartement classique, là je suis en version anglaise, donc on ne voit pas forcément le descriptif en français. C'est pas très très grave. En plus, ce que je regardais juste avant, c'est qu'on est plutôt bien placé cette annonce, puisqu'on est en première page. Et je voulais te le présenter aussi, que tu puisses voir. Voilà, j'ai fait ma petite recherche. Le Mans, j'ai mis euh, n'importe quand, quatre voyageurs. Et on ressort. Tac, tac, tac. On ressort juste ici. Ouais, L'appartement est là, donc il est, il est plutôt bien placé. On a une bonne notation. Euh, donc c'est un appartement qui se loue globalement plutôt bien. Mais on va dire sur des prix, en règle générale, plutôt moyens. Et on a un petit peu de saisonnalité, puisque quand on a des courses automobiles, on a un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus important. Euh, alors justement, ce que je peux te faire voir aussi maintenant, c'est euh, le principe de nos factures. Alors, donc on a notre en-tête bien entendu, qui est juste là. Donc en fait, on reporte tout simplement. Alors je t'ai fait voir tout à l'heure. On va reporter donc le frais, les frais de ménage qu'on a eus et le chiffre d'affaires. Donc là, le mois de juin est un mois exceptionnel pour nous. C'est un très bon mois, hein, bien évidemment. On ne fait pas des mois comme ça. D'ailleurs, tu l'as vu sur mon tableau tout à l'heure. On lui a envoyé une facture de 876 euros, alors qu'en règle générale, ce type d'appartement, on est plutôt aux alentours de 400, 500 euros de facturation. TTC, je précise bien, puisqu'on est à la TVA. Donc, on a repris notre montant total, le total des ménages qui est rajouté ici. Donc cet appartement ne prend que 20%. Euh, maintenant, on est à 25% sur tous les appartements. Là, c'est un tout premier appartement qu'on a lancé il y a maintenant, euh, bah, il y a plus de deux ans, il y a, il y a quasiment deux ans et demi, euh, trois ans. Donc, du coup, euh, bah, forcément, on était sur un pourcentage qui était plus, plus intéressant. On lui facture des frais de consommables tous les mois, en automatique. Donc, euh, tous les mois, 20. Ça dépend des appartements. Ça va être entre 18 et 30 euros en fonction du type d'appartement. Si on facture du linge supplémentaire, parce que le voyageur a demandé du linge supplémentaire, on le facturera. Et on arrive du coup, et eh bien à à règle à 876 euros, donc TTC, ce qui fait 730 euros 12. Hein, donc nous, c'est ce que réellement on va réellement toucher. Les 142 euros de ménage, eh bien vont être reversés et correspondent finalement aux prestations donc de ménage et de linge. Hein, donc, ça, on va le voir juste après. Donc, on a deux prestataires. On a un prestataire auto-entrepreneur qui le fait ménage. Donc, en règle générale, euh, il prend deux heures cet appartement. Et on a euh, donc Elis, qui est un prestataire pour la gestion du linge. Il y en existe d'autres, bien évidemment. Donc nous, on a réellement, ce que nous on considère qu'on a réellement gagné dans notre entreprise sur cet appartement, c'est 709,14 euros. Voilà. Ça, c'est ce que nous, on a réellement gagné en marge sur cet appartement. Et on va voir après, justement, qu'est-ce que ça représentait comme travail réellement. Toujours pareil, cette notion d'investissement en temps par rapport à ce qu'on gagne. Donc là, c'est un très bon mois, je ne vais pas te mentir. Donc, euh, ce n'est pas forcément euh, ce qui est le plus représentatif. Je vais essayer de te trouver un mois qui est beaucoup plus... Euh, J'aurais dû le télécharger avant, tu vois. Donc, la vidéo, eh bien, euh, euh, est bien, n'est pas... Euh, est vraiment euh, en live. Euh, tu vois bien que ça n'a pas été spécialement préparé, un petit peu quand même, mais pas spécialement... Euh, trop non plus euh, mais c'est très bien quoi ça du coup ça te permet de bien comprendre euh, et de voir que je te donne les informations qui correspondent euh, exactement je vais te retrouver celle de mai voilà là on est sur mars voilà là on est sur mai donc je vais te faire voir le mois de mai hop que j'ai juste ici tac et qui du coup va correspondre et eh bien à l'export que je t'ai pu te faire voir en amont comme ça du coup tu auras bien les bonnes informations Hop, donc je vais te présenter le mois de mai. Voilà. Voilà. Donc là, du coup, on est sur le mois de mai. Donc on retrouve bien nos 345 euros donc, de frais de ménage que je t'avais fait voir juste avant. Hors ménage, on a bien réalisé 1190,26 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ce que je t'avais fait voir juste avant. Et donc quand on descend dans ma facture. Eh bien, on retrouve donc les 1190 euros, les 345 euros de ménage. Donc nous, on a pris 20% sur les 1190 euros. Donc, très clairement, on a gagné 238,05 euros versus 700 et quelques euros sur le mois de juin. D'accord Donc pour le, on va dire, grosso modo, le même travail, peut-être il y a eu quelques réservations en plus, ou peut-être pas d'ailleurs, euh, on a été chercher 500 euros de plus de marge. Donc euh, tu vois bien qu'en fonction des mois, on a des rentabilités qui sont beaucoup plus explosives que d'autres, puisque le ménage, encore une fois, c'est quelque chose qui ne revient pas dans la poche, puisque c'est de l'argent qu'on collecte, mais finalement qu'on reverse, eh bien à différents prestataires pour réaliser les prestations. Toujours nos consommables, bien évidemment. Voilà, on a donc nous hors taxes facturé 506,11, qui correspond à 608,05 TTC. Donc le propriétaire lui, cet appartement. Si on fait le calcul, donc lui, il a touché 1190, Je pars bien hors ménage, 1190, 26- moins donc, ce que nous, on lui a facturé, c'est-à-dire 238,05 euros TTC. Donc lui, il a touché 952,21 euros son appartement. Donc voilà lui ce qu'il a touché, son appartement, donc type T3, deux chambres. Euh, au mois de juin, il a touché beaucoup plus que ça. On l'a vu, hein, puisqu'au mois de juin, on était sur un. Sur, sur un chiffre qui n'avait rien à voir, on était sur plus de 3000 euros de chiffre d'affaires. Donc on voit bien que c'est explosif. Donc en fonction des mois, bah, lui c'est pareil, il a touché plus que nous, euh, plus que d'autres mois, pardon. Et nous c'est pareil, en fonction des mois, bah, on a des. Voilà. Donc tu vois cet appartement, donc si on prend euh, le mois, de, le mois, de, le mois de, de juin, eh bien on a touché euh, donc, euh, euh, plus de 700 euros de marge, contrairement au mois de mai où on a touché 238,05. Donc tu vois que c'est complètement variable. Et j'ai envie de te dire, le mois de mai correspond grosso modo à ce qu'on est capable de réaliser sur un bon nombre de mois de l'année. On a des mois qui sont beaucoup plus faibles que ça. Euh, je pense, par exemple, au mois de janvier, au mois de février, où ça a vraiment été euh, euh, vraiment faible, on était euh, en dessous de 200 euros sur, euh, sur l'appartement. Euh, du coup, ça, c'était ce que je voulais te présenter. Et ensuite, on va aller sur, eh bien, maintenant. Qu'est-ce que représente exactement comme charge de travail eh bien, la gestion de ce type d'appartement Puisque tu l'as compris, hein, c'est ce que je t'avais expliqué juste avant. Eh bien, euh, gagner 150 ou 200 euros, comme on l'a vu ici, ou 238 euros sur des mois plutôt moyens, euh, ce n'est pas des grosses euh, sommes d'argent, mais c'est lié aussi bah, au contexte de la ville et euh, c'est aussi lié et c'est ça on, on va on dire maintenant par rapport à qu'est ce que représente notre charge de travail sur cet appartement et donc si on rentre un petit peu plus dans le détail et je te partage du coup et eh bien le, 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 le travail que cela représente j'ai vraiment dé, décomposé ça en deux parties la première partie c'est ce que nous réalisons dans la conciergerie donc ce que ça implique comme charge de travail pour nous donc quand je dis nous c'est bah, les différentes personnes qui travaillent, donc le, mon directeur, et puis j'ai aussi une personne qui s'occupe de la maintenance, et euh, donc euh, et bien, une personne en, 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 en alternance. Donc tu vois qu'on est vraiment très peu nombreux dans cette entreprise hein, en termes de, de cherche à l'âge, on est vraiment très très peu. Et bien, qu'est-ce qu'on a nous réalisé On a euh, donc c'est issu de ma commission, donc entre 20 et 25%. Donc cet appartement, on était à 20%, mais maintenant on est vraiment à chaque fois à 25% euh, sur les nouveaux entrants. On a donc créé une annonce. Donc, les photos nous ont pris une heure, c'est nous qui réalisons les photos. Et on a un, un logiciel, une application pour faire le retraitement de la photo, comme un professionnel. Ensuite, on a créé l'annonce, donc ça nous a pris à peu près trois heures, plus le paramétrage. Ça, c'est une facturation qu'on fait au départ en plus. Donc, à chaque nouvel entrant, on facture 150 euros au propriétaire, ce qui est très peu cher, puisqu'en fait, ça inclut les photos, le paramétrage, la création de l'annonce, etc. Mais c'est une façon aussi, nous, de rémunérer un petit peu le temps de travail que ça représente. Ensuite, j'ai décomposé toutes les missions qu'on réalise réellement, nous, dans la conciergerie, par rapport eh bien, à la gestion de cet appartement. Donc, planning des ménages. Donc, il faut planifier effectivement bah, qui va faire quoi euh, par rapport aux différents appartements qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ça nous prend zéro minute, qu'on soit très clair. Ça nous prend rien comme temps. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a un logiciel que j'appelle qu donc qu'on a appelé guest Lucky. c'est un logiciel qu'on a développé en interne, qu'aujourd'hui d'ailleurs moi je propose à l'ensemble de ma communauté. Je te mettrai le lien aussi dans cette vidéo et dans la partie description si tu souhaites récupérer ce logiciel, cette application. s'appelle guest Lucky. Et en gros, cette application permet justement et eh bien de de gérer c'est en fait c'est un ERP hein, et ça permet de gérer toute l'organisation de ta conciergerie sans que toi, si tu veux, tu aies besoin d'y de, de, passer du temps. Toi, tu es plus en mode supervision finalement dans l'activité et donc bah, tout simplement tu, grâce à cet outil, tu euh, bah, permets de l'organiser. Donc ça nous prend pas de temps. Hein, Puisqu'on est juste plutôt en, en mode supervision, on regarde qu'effectivement euh, la distribution des, des ménages se réalise bien. Donc soit c'est la distribution automatique, soit c'est le personnel de ménage qui tout simplement vient choisir les différentes missions qu'ils veulent récupérer. Donc là-dessus, pas de sujet. Entrée-sortie, zéro minute, puisque tout est automatisé aujourd'hui. On utilise des, des applications, on utilise des, des systèmes de boîtiers électroniques, euh, des boîtes à clés. Enfin, on a en fonction des appartements, on a des, des, fonctions, des, des méthodes de travail qui sont complètement différentes. Donc là-dessus, pas de sujet non plus, zéro minute, on n'y on passe aucun temps. Ensuite, on fait par contre la gestion des prix, ce que j'appelle le yield management, c'est-à-dire qu'on gère les prix, effectivement, une fois par semaine. On prend un petit peu de temps par rapport à chaque annonce. Alors là, j'ai mis 10 minutes. Honnêtement, c'est même moins que ça puisque ça va très, très vite. On connaît très bien les, les, les appartements. Et j'ai envie de te dire, ça, tu pourrais limite le réduire à quasiment zéro minute et utiliser, par exemple, des outils comme, par exemple, Price Labs, qui sont des outils qui te permettent, et eh bien, de, de gérer en automatique les prix. Donc, à une époque, on l'a utilisé. Ensuite, on l'a retiré puisque ça représentait comme une facture de pratiquement 500 euros par mois. Et on s'est dit que finalement, pour ce prix-là, on pouvait peut-être nous prendre le temps de le faire, connaissant bien notre ville, bien notre marché. Mais il n'est pas dit qu'on n'y revienne pas un petit peu aussi, qu'on fasse peut-être d'une autre manière, c'est-à-dire qu'on va plutôt catégoriser les types de logements et on va dire, bah ok, tel type de logement, on va mettre du price last pour voir justement et dupliquer sur les autres. Et en fait, en fonction des appartements, appliquer des stratégies plus ou moins similaires. Communication avec les voyageurs, donc là c'est tout ce qui est système donc de réponse aux messages aux voyageurs. Donc aujourd'hui on essaie de vraiment euh, avoir très peu de relations euh, téléphoniques puisque ça peut prendre beaucoup de temps. Euh, on privilégie très clairement euh, donc les, façon Airbnb le recommande aussi de privilégier leur interface. Donc c'est ce qu'on fait. Et en plus de ça, on utilise aussi maintenant GuestLuki donc euh, pour gérer euh, toute la partie communication support. Quand le voyageur a des problématiques dans le logement, par rapport au ménage, ou par exemple par rapport à la. Il y a un souci dans le logement, eh bien, on a un système où le voyageur peut nous remonter l'information. Et nous, l'idée, c'est qu'on puisse lui apporter une réponse immédiate. Et on va même aller plus loin que ça, c'est qu'on ait des réponses automatiques en disant bah voilà, votre problème a été pris en charge, on a prévu telle solution sous tant de temps. L'idée, c'est vraiment de d'accompagner le voyageur, mais sans que nous on n'y passe non plus trop de temps. Donc là, on a toujours pareil, logiciel Guest Lucky, l'application pour faire ce genre de choses. Alors ensuite, après, on va gérer l'entretien euh, courant des appartements. Donc par exemple, changement des piles, de télécommande, des ampoules, euh, je ne sais pas, des petites, euh, par exemple, ça va être des, de la petite maintenance qu'on a, qu a repérée dans le logement, qui nous a été remontée. Par exemple, il y a une perte de clé ou euh, une clé a été. Euh, ou je sais pas, une porte qui se ferme mal, etc. Bon, ça, je l'estime à peu près à deux heures par mois. C'est de l'entretien court. Après, on va gérer des réparations mineures. Donc, la réparation mineure, ça va être par exemple euh, un pied de canapé par exemple, qui, qui s'est décroché euh, ou d'un pied de lit ou par exemple. Donc, on ne va pas changer le lit, on va le réparer, bien évidemment. Ou ça va être par exemple, un, je sais pas, euh, vous avez des rideaux et donc la, la tringle est en, en train de tomber. Bon bah là c'est pareil. Donc là j'estime qu'on on passe une heure par mois, ça peut être un petit peu plus, un petit peu moins. Et en fonction d'ailleurs de la prestation, on peut parfois le facturer. Donc tu vois que là justement on arrive à la partie qui est intéressante, qui peut te faire comprendre qu'on est capable de faire beaucoup plus de chiffre d'affaires avec nos appartements si derrière, eh bien, on a des bons outils et notamment qu'est-ce qui permet de le faire sur deux choses, permet justement de savoir le temps qu'on passe pour pouvoir, derrière pouvoir le refacturer. Donc, nous on facture 40 euros de l'heure. Donc, effectivement, toutes les petites réparations ou quand il faut accompagner le propriétaire dans certaines choses, par exemple aller chercher une box euh, internet parce qu'il veut changer sa box internet, bah, toutes ces petites choses-là, eh bien, on facture le temps, bien évidemment. Et donc, ça, tu vois, tu comprends que euh, bah, c'est de l'argent que tu peux faire en plus sur tes appartements. Et donc, on a effectivement une marge brute, on va dire, euh, une marge moyenne, mais derrière, on peut aller la développer beaucoup plus en fonction de ce que tu es capable de faire. Après, on peut faire de la maintenance plus importante, donc on peut aller plus loin, donc là, on peut aussi sous-traiter, euh, ça peut nous arriver, généralement, euh, on laisse le propriétaire gérer, mais on peut aussi nous euh, facturer le temps qu'on y a passé dans la mise en relation, etc. Donc ça, des services en plus qu'on peut vendre. Et enfin, dernière chose, et c'est là où je veux t'attirer, c'est les services supplémentaires, puisqu'il faut bien comprendre que tous les voyageurs ont des besoins généralement en plus. Par exemple, ils veulent arriver plus tôt, ou ils veulent partir plus tard dans le logement. Euh, ils ont par exemple besoin d'un lit euh, d'un lit parapluie pour leur enfant, euh, d'une chaise haute. En fait, tout, quand tu vas prévoir tous ces services en plus, c'est des services que tu vas pouvoir facturer en supplément. Et tu peux très clairement aller chercher 20 euros par-ci, 20 euros par-là. Et mine de rien, quand tu vois qu'aujourd'hui, sur des appartements, comme on est sur tout à l'heure, on gagnait 238 euros, bah là, tu peux très vite aller chercher 300, 350 euros sur l'appartement, sans trop de difficultés. Donc tu vois bien qu'on a vraiment moyen de jouer là-dessus. Donc si on fait le total. Hein, si on retire la création de l'annonce, si tu regardes le temps qu'on a réellement passé dans l'appartement, est-ce que ça te paraît déconnant Et tu mettras dans la partie description euh, de passer donc ce temps-là, ce qui est finalement bah, très peu hein, dans le mois, euh, très très peu en termes d'heures de, de travail, au regard de ce qu'on a réellement gagné. On voit bien que euh, c'est minime puisque nous, les vraies tâches sont ici. Hein, dans le yield management, dans la communication. Donc, tu vois, c'est 30 minutes par semaine, ce qui va représenter peut-être 2 heures dans le mois. Bon, après, on a aussi géré l'entretien. Ça va dépendre aussi de ce qu'on a réellement à faire. Donc, ça va être, on va dire, 2 heures. Ça fait quatre heures. On voit bien que ce n'est pas non plus une charge de travail qui est forcément euh, importante. On voit qu'on a, a un effet de levier sur euh, ce qu'on est capable d'aller facturer. Et ça, encore une fois, c'est lié à la typologie de ma ville. Mais en fonction des appartements, et notamment plus la capacité d'accueil est importante, plus derrière le travail est globalement identique, pour toi en tant que conciergerie, j'entends. Hein. Mais par contre, par contre, ce que tu vas facturer est bien plus important. On l'a vu aussi sur des mois où c'est beaucoup plus actif, eh bien, on a été chercher 700 euros versus 238. Et pourtant, la charge de travail pour nous a été identique peut-être un tout petit peu plus parce que il y avait des événements, etc. Mais grosso modo, c'est la même chose. Donc, on voit bien qu'on a travaillé de la même manière, on a gagné plus. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est une activité qui est complètement variable en fonction du lieu, mais aussi en fonction des services que tu proposes et en fonction aussi de la saisonnalité. Et enfin, donc, on va, la euh, dernière partie, c'est ce qu'ont réalisé les prestataires. Donc, ça, c'est payé par les frais ménage, donc facturé aux voyageurs. Elles ont réalisé donc le ménage. Donc auto-entrepreneur ou salarié, ça, nous on a les deux, hein, on a on a vraiment, enfin euh, on a un salarié en ménage, on va dire, et après le reste c'est que l'auto-entrepreneur ou des entreprises. Hein, on a aussi des entreprises de ménage avec qui on travaille. Là, ça représentait deux heures par ménage et le linge, nous on travaille avec Hélice euh, pour la partie euh, blanchisserie et donc du coup ça est complètement externalisé. Et encore une fois. L'objectif, c'est que ça, ça soit complètement absorbé par euh, la facturation qui est faite au propriétaire par rapport aux frais de ménage qu'il a collecté via le euh, voyageur. Et ça, pour le coup, pour nous, euh, ça ne nous prend aucun temps, parce que ça, on ne fait absolument rien là-dessus. Ah, si si ce n'est peut-être euh, la réception euh, du linge, euh, la mise à disposition des racks euh, par, rapport, euh, par rapport à is Voilà, donc du coup, tu vois bien que c'est une activité, et c'était important justement, euh, que je te fasse bien voir que, euh, certes, c'est important de savoir combien on gagne sur un appartement, mais c'est important aussi de bien comprendre quelle est la charge de travail que représente un appartement. Et comme je te l'ai dit en introduction, et on terminera là-dessus. Euh, je considère que c'est un vrai actif à partir du moment où on y passe très peu de temps. Voilà, on a terminé. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Je n'hésiterai pas à lâcher le pouce vers le haut. N'hésiteras pas à la commenter, à me poser tes questions, bien évidemment. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je te propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, porte-toi bien et à très bientôt. Ciao.